Tu vois, alors, la chose de l'esprit, là, que tu joues un peu, là. Je veux que tout le monde étant assis ici, oh, toi, qui désire avoir l'onction, qui désire entrer dans une dimension, toi, tu es fatigué. Je veux que tu parles à Dieu maintenant. Pendant une minute, et l'Esprit de Dieu va faire son travail. Pilon! Oh my God, be the shaman, be the shaman. Non, c'est pas beyond the pain. Beyond the unbelief. Nous le désirons, les pères, 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 regardez l'esprit. Ouvre les yeux, regarde-moi. Regarde-moi. Fais comme ça. Touche. 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 Dis, je veux l'onction. Je veux l'onction. Je veux l'onction. Je veux l'onction. Les quatre personnes. Je vois l'esprit de Dieu qui est en train de descendre sur 4 personnes. 4 personnes. Ma soeur, viens. 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 Voilà, laisse-moi regarder moi. Viens. Je veux que tout le monde soit attentif. Parce que Dieu va commencer à distribuer sa grâce. Dieu va commencer à toucher. Dieu va commencer à te révéler. Dieu va commencer à agir. Dieu va commencer à donner sa puissance. Dieu va commencer à libérer quelqu'un. Dieu va commencer à restaurer quelqu'un. Dieu va commencer à toucher une vie. L'esprit va descendre. Envoie-moi la tête de là. Viens vite. Alléluia. Vous êtes d'accord? Vous voulez que je vous aide? Amen. N'ayez pas peur. Hein? L'onction de Dieu, quand il descend sur toi, c'est pour te bénir. C'est pas pour te. T'exposer, c'est pour te bénir. Amen. Alléluia. Amen. Chaque personne a une dimension d'onction qu'elle doit recevoir. Ma soeur, viens. L'Esprit de Dieu me montre ta vie. Je vois que c'est quelqu'un à tout moment. Quand Dieu veut l'élever, il y a une maladie qui vient et la bloquer, la paralyser. C'est une malédiction. Enlève, c'est vrai. À tout moment, quand tu veux, une bénédiction arrive, il y a une maladie qui arrive et tu ne sais pas comment ça arrive et comment ça agit dans ta vie. Mais le Saint-Esprit veut te libérer. Lève la main. Merci Seigneur. Pose. Non, pose. Attends, elle sera par terre. L'Esprit est seul. Oh my God. Esprit de mort. Sors. Pose ta tête simplement. Dans 3 minutes. Ma soeur, viens comme ça. Viens là. Viens. La main de Dieu est sur toi. Cette année, Dieu a décidé de te bénir. Tu vois plusieurs portes ouvertes dans ta vie. Tu as une fille qui est déterminée. Et quand Dieu fait quelque chose, tu avances. Il y a une notion prophétique qui est sur toi. Depuis le ventre de ta mère, Dieu t'avait choisi, consacré. Et Dieu te parle toujours. Et Dieu te pousse. Cette année, les portes sont ouvertes. Et Dieu me dit que les blocages, les moments difficiles sont passés. Et maintenant, ce sont des temps de gloire. L'Esprit de Dieu est ici. La puissance de Dieu est là. Ouais, c'est ça, non? Pousse les micros un peu, pousse là-bas. Les malades seront guéris. Une notion de restauration.
de grâce. Laissez-le. Vous voyez sa main qui est sur son cœur. L'Esprit de Dieu est en train de la restaurer. Est-ce que tu crois au miracle de Dieu? Si Dieu te touche aujourd'hui, tu es béni, tu es guéri, tu es restauré. La main de Dieu est sur toi. Le temps est arrivé où tu dois te consacrer parce que Dieu a mis un don de chant en toi. Et tu dois te connecter à Dieu. Ne reviens pas à ton âge. Oh my God, reçois ta guérison là-bas, reçois-le. Ne regarde pas à ton âge, car Dieu veut t'utiliser. Il a mis ton chant en toi. Reçois-le. Tu es dans la ville. Tu es dans la ville. Je vois une délivrance qui va se passer dans ta vie. Il y a trop de manifestations de la sorcellerie dans ta famille. Et je vois un esprit de sorcellerie, un piton. Et même quand tu dors, il y a beaucoup d'attaques. Tu ressens beaucoup d'attaques. Mais Dieu veut aujourd'hui t'accorder la délivrance et la restauration. Ce sont des choses qui te suivent depuis 3 ans. Et ça te perturbe. Est-ce qu'aujourd'hui tu veux la restauration? Amen. Tu veux. Elle dit qu'elle veut. Lève la main. Comme tu veux. Jésus aussi veut. Jésus aussi veut. Jésus aussi veut. Elle est partie, elle est partie. Elle est là. My God. Et vous allez voir que peut-être va prendre la main vers son village maternel. Elle va commencer à bouger comme un serpent. Et c'est sa délivrance. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Regardez, peut-être que je prends la main vers la direction, vous verrez. Je prends la main, vous la regardez. Vous voyez le serpent qui bouge? Vous voyez le serpent qui bouge? Ne regardez pas, regardez là. Regardez. Ouais, il est en train de sortir. Et il fait tous les gestes, il sort. Il fait tous les gestes, il sort. Vous voyez? Quand ma mère est toujours vous voyez, quand on le pratique. Il fait tous les gestes, il se voit. L'esprit humain au niveau de sa tête. Sa tête aussi va commencer à bouger. Regardez, pendant que je prends la main. Pendant que je prends la main, il se va. Ouais. Ouais. Regarde les pieds. Regarde les pieds. Il est en train de partir. Mais dans le spirituel, il se roule comme ça. Et tout son corps est en mouvement aujourd'hui. Levez ça. Elle va vomir. Fais la joie. Elle va vomir. Elle est en train de vomir. Fais vite. Sors par sa bouche fixe. Sors par sa bouche fixe. Sors par sa bouche fixe. Fixe. Fais la joie quand elle va venir. Fais la joie simplement. Fais la joie, elle est en train de venir. Elle va venir. Viens, aide-moi. Lève-la. Voilà. Fais-toi là. Sors par sa bouche. Allez, comme une bouche. Fixe. Ta parole te bille le stomach. Remonte, je suis à toi, va-t'en, le nom de Jésus. Tu vois, il remonte, il est au niveau de sa coche. L'esprit humain, tu es déjà à terre. Voilà, vous la libérez. Depuis longtemps, vous la fatiguez. Chacun, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, 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 par
ce peuple-là. Même toi ici, dans votre famille, c'est difficile le mariage. C'est difficile le mariage. Il y a un blocage à ce niveau-là. C'est une malédiction. Un esprit de malédiction par un masque qui dérange les femmes qui veulent se marier. Et c'est difficile aussi aux femmes d'enfanter dans votre famille. Si tu es là, viens vite. Dès que je te touche, c'est ton mariage. Viens vite, vraiment. Les personnes, regarde, fais la joie à côté et tu la suis avec le sac. Viens vite. Fais la joie. Tu es là. Mettez-la à côté. Et maintenant, les sacs, parce qu'on l'a commis, je vous dis la vérité. Elle est la seule. L'Esprit de Dieu me dit qu'elle n'est pas la seule. Viens vite. N'aie pas honte. Hein. Parce que ta grâce, c'est pour maintenant. N'aie pas honte. Viens vite. Viens vite. Reste à côté de là. Il y a une dernière soeur qui est concernée par ce message. Si je te touche, tu verras la grâce de Dieu. Il y a une dernière personne. Viens vite. Viens vite. Viens vite. Viens vite. Viens vite. Je vais libérer la grâce. Approche-toi. Mets-toi là. Viens, viens, viens. Voilà bien. On appelle la dernière vite. Après, je vois une notion de condition. Je vais passer à la descente. Passe-toi là. Voilà. Passe-toi là. Là. Toi là. Et toi, tu viens là. Levez la main. Levez la main. Merci qu'aujourd'hui, l'Esprit est descendu sur vous. Je prie des liens de famille et une amie de nuit qui t'empêche de te marier. Sors dans sa tête. Il va, 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 va. Step up. Donc une chaîne qui est là et l'Esprit de me couper ce lien là et tu verras la grâce de Dieu. Aidez la chaîne de là-bas parce que elle, il y a quelque chose qui sort de ton ventre là où je te dis quelque chose est en train de monter. Sors de sa bouche au nom de Jésus, de bouche en présente. Il te dit reçois-le, 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 reçois-le. Viens encore, viens encore. Je coupe les liens, je coupe les liens, je coupe les liens, je coupe les liens, je coupe les liens. La chaîne est coupée, les liens se repoussent. Les liens se repoussent. Attrape-la, voilà. Soutiens-la, soutiens-la, soutiens-la. Quelque chose se passe. Viens encore vers moi. Je vois trois personnes qui sont en train de résister. Libérez. Libérez. Silence. Oui, maman, maman, maman. Allez toi. C'est pas fini. Viens. Je vois, je vois. À t'asseoir, toi aussi. Maman. Je vois un esprit de mari de nuit qui va te lâcher. Et toi. Maïto. Envoyez-la moi. Je vois, je vois, je vois comme un masque qu'ils ont mis sur ton visage. Et c'est celui de blocage. Mais ils vont te lâcher. Ils vont te lâcher parce que je les ai pris aujourd'hui. Ils vont te lâcher.
manger ce qui vient de moi. Ta paix va te donner à manger. Quelque chose monte depuis ta gorge. Tu lis de vomi, envoyez ça comme ça. Tu as vomi ce que tu as mangé là. Tu as vomi. Quand je me dis depuis ta gorge, je tombe à toi. Et je peux vous voir. Un, deux, et trois. Sors, vite, et prenez